Ok, nous avons parlé de quelques qualités physiques, la vitesse, la force, l'endurance, la coordination. Il me paraissait important de parler de la place du technico-tactique dans la pratique du MMA. En gros, vous avez remarqué qu'en fait, je préfère faire de l'interactivité avec mon athlète de façon à ce qu'il ne soit pas face à un sac et qu'il ait l'impression que je bouge en fonction de ce qu'il envoie. Ici, je pourrais lui demander en fonction des spécificités de boxer. Pendant qu'il est en train de boxer, il va me faire une combinaison de gauche-droite-gauche simple. 1, 2, 3 et derrière, je vais aller chercher à attaquer les gens pour qu'ils réagissent dessus. Ça peut être simple, ça peut être parce que je vais lui faire du gauche-droite-gauche et quand il va faire son sprawl en pivot, il va me contrer juste avec un coup au corps parce que j'ai une protection et que je ne peux pas prendre le coup à la tête, mais en situation réelle, il mettrait le coup à la tête. Donc, il va faire ici sur gauche-droite-gauche et là, il va toucher au corps, il va faire son pivot. On recommande le même enchaînement, je fais ici, là, voilà, et il va se déplacer. Du coup, on est dans l'interactivité, là, dans une réaction qui ressemble à celle qui se passe le jour du combat. Pareil. On part un peu sur une stratégie ici où je vais me débrouiller pour qu'il ne puisse pas être touché et qu'il puisse toucher sans être touché. Imaginons qu'il ait un adversaire qui soit super fort en judo, qui viendrait le chercher ici sur une espèce de kumikata pour le faire tomber. Il va tout faire pour garder la distance. Et pour ça, il y aura une espèce d'interactivité. On va faire du jab, retrait du buste, jab, cross, retrait du buste, cross, jab, terminant en low kick. Donc, l'enchaînement global, ça donne ça. Et low kick, ça c'est l'enchaînement global. Maintenant on va le faire en interactivité de façon à ce qu'on respecte l'interdistance entre nous deux. À chaque fois que je vais avancer, il va reculer. À chaque fois qu'il va avancer vers moi, je vais reculer. À chaque fois que je vais reculer, il va venir sur mon encadrage pour pas que je puisse me reposer. Et donc on est ici, on y va. Je suis. Ça va pas. On a cherché. Viens chercher, viens. Ici, là. On peut rester dans ce jeu comme ça, sur une séquence bien précise. Je peux décider de le faire pendant 2 minutes. Au bout de la pause, au bout du milieu du round, c'est-à-dire qu'à la minute, je le pose, on se met à récupérer sur du jab déplacement. Ok ? Cross, pivot. Jab. Et ensuite, au bout de la minute, je repars sur 2 minutes encore d'action avec des retraits de buste comme ça pour qu'on arrive sur un round de 5 minutes complet où il aura fait ce genre de déplacement. Et si on est sur ce rythme-là et qu'il peut tenir 5 minutes en restant sur un déplacement antéro-postérieur ici et avec des pivots, des jabs de temps en temps, stoppé avec l'adversaire de loin, ben on sera sur un bon rythme. Toujours dans la même lancée de pouvoir mettre de l'interactivité dans le déplacement de manière technico-tactique, je vais me débrouiller sur un adversaire qui lui rentre dedans, à ce qui contourne l'adversaire et qui reste efficace sur des angles morts. Donc ici, je vais lui demander un enchaînement classique n'importe lequel. Il me donne son enchaînement préféré et moi, je le suis dessus de façon à ce qu'il soit toujours dans la dynamique du déplacement en esquive dessus. Parfait. Et donc du coup il est tout le temps en mouvement, il est disposé à donner des coups, mais tout le temps il se remet en mouvement. Toujours dans l'idée de pouvoir travailler son système de défense, il est face à un adversaire qui est super bon en boxe, qui a un bon coup d'œil en boxe, et il va décider de travailler en fait sur des contre-attaques. Ne pas se faire toucher et toucher dans la foulée. On est face à un boxeur qui a une bonne réplique, qui a une bonne remise, qui à chaque fois qu'il est touché, remise. Et donc, on va essayer d'anticiper dessus et de travailler sur une combinaison. Enfin, les probabilités que ça se passe exactement comme ça sont minces. Hein. On ne peut pas anticiper sur plusieurs coups sur un adversaire. Mais toujours est-il que ça nous permet déjà d'avoir une idée d'attaque, de frapper pendant qu'on esquive et qu'on défend sur mon boxeur. Je vais prendre cette idée ici. Il va me pousser à déclencher mon crochet parce que je suis bon en crochet et qu'il a fait une analyse de vidéo. Il a vu que j'attaquais pas mal en crochet. Là. Voilà.
Donc, du coup, il a esquivé une certaine série de coups et derrière, il continue à être efficace sur ses frappes. Je recommande l'enchaînement ici, là. Okay. Ça peut être une possibilité, ça. Donc, toujours rester dans l'interactivité pour qu'il y ait l'impression qu'il est en train d'attaquer et qu'il est en train de défendre, d'attaquer. On peut le faire aussi sur une espèce de drill où je vais partir d'ici. Je vais mettre deux crochets à la tête, il va bloquer deux directs. Deux crochets, deux directs. Voilà. Direct, crochet, garde, direct, crochet, garde. Ok, pareil en reculant ici. Direct, crochet, direct, crochet, direct, crochet, direct. En fonction du cadre institutionnel de la compétition qu'il va faire juste après, je vais choisir de faire des coups ou pas. Des genoux ou pas, en fonction de ce qui est demandé, ou de l'adversaire qu'il y aura. Imaginons qu'il a une compétition sur laquelle il y aura une sollicitation de coups de genoux. On va s'entraîner dessus sur cette spécificité-là, en travaillant ici déjà le coude en direct, le coude en crochet ici, un, deux, crochet, et puis genou par exemple. Ça peut être ça, encore la même, là. Ici, ça peut être parce que sur la spécificité des coudes, ça va être des coups au corps à corps. Donc du coup, j'aurai ici le contact avec ses coudes. Je vais pousser sur lui. Et lui, à chaque fois où il y aura rupture de contact entre lui et moi, il va comprendre que j'ai besoin d'un coup de coude. Il va me lâcher soit celui-ci, soit simplement parce que ça va être celui-ci en direct. Okay? Donc je suis ici, dès que ça lâche, voilà, ça lâche ici, ouais, ici, ouais, ici, on repart ici, ouais, encore ici, ouais, encore, ouais. Et puis le même coude, et ensuite le crochet de ce coude ici. Et derrière, tu mets l'autre coude, là, voilà, encore, on repart dessus, là, voilà. Donc on est sur des spécificités de coups de coude à distance, soit parce qu'on va rajouter des coups de coude ici en tout ce qui est retourné. Donc je vais être ici, je vais placer mes deux coups de coude, 1, 2, ensuite celui-là va par là, on va revenir ici. Encore, 1, 2, encore, 1, 2, ça peut être ça comme possibilité. Ensuite, les genoux, je vais me débrouiller qu'il y ait un échauffement sur les genoux parce que je vais passer par exemple ma main ici. Ça, c'est l'avantage de la protection, c'est qu'ici, en mettant ma main ici, il va pouvoir guider sur mon cou, m'absorber vers lui et placer ses genoux dessus. Si jamais j'ai un élève qui est trop puissant en genou, lui, mais des genoux très violents. Moi, ici, en fait, je vais rajouter ma main dessus pour pouvoir amortir sur ma protection du corps encore. Voilà. Éventuellement, je repasse la main de ce côté, il me double les genoux. De ce côté. Ok, les mêmes genoux, je peux les combiner en fait avec des jambes. Je vais te demander ici, droite, gauche, middle kick et genoux dans la foulée. Ok, ici, voilà. Encore. Une dernière fois. Bon, voilà, chers collègues, chers lecteurs de Karaté Bushido, j'espère que la rubrique vous aura intéressé. En fait, j'espère surtout que vous aurez compris les pertinences de cet article sur la préparation physique avec les outils spécifiques au sport de combat. En gros, juste que chacun des collègues, des jeunes collègues ou de nouveaux entraîneurs se pose la question sur le choix de l'exercice ou le choix des outils qu'ils utilisent dans leur manière de préparer leurs élèves. Et puis, voilà, j'espère que ça aura suscité un peu d'intérêt et je vous donne rendez-vous sur la prochaine rubrique de Karaté Bushido, le magazine, ou alors sur le site internet karatebushido.com pour les vidéos. Merci.